La Grèce est située dans une des régions les plus sismiques au monde. On y compte en effet un tremblement de terre majeur tous les 10 ans en moyenne. Et plus particulièrement dans le golfe de Corinthe, la région la plus active d'Europe. C'est pour cette raison que depuis 1998, un grand projet d'observatoire sismologique européen a vu le jour près de la petite ville d'Aiguillon. Ce grand projet, initié par l'Institut de physique du globe de Paris et le CNRS, a pour but d'ausculter de toutes les manières possibles une faille émergeant sous la ville d'Aiguillon. Il regroupe des chercheurs venus de différents pays d'Europe et est financé principalement par des fonds de l'Union européenne ainsi que par le CNRS et le Programme international de forages continentaux. Nous sommes ici au sud de la ville d'Aiguillon, sur la faille des Liquets. Nous sommes ici, en haut de ce trait rouge qui marque la descente de la faille des Liquets en profondeur. Ici, un peu plus au nord, la cassure qui correspond à la faille d'Aiguillon. La ville d'Aiguillon étant ce que l'on voit en face et ce que l'on retrouve ici. Donc, si on reprend sur cette carte, pourquoi avoir choisi ce site dans tout le rift de Corinthe? Eh bien, c'est que c'est une zone qui n'a pas connu de grand séisme depuis au moins 150 ans, dans cette partie ouest, alors que plus à l'est, il y a eu donc des séismes ce siècle et au siècle dernier. Donc c'est une zone sur laquelle, sur une des failles que l'on voit, que ce soit la faille des Liquets ici, ou bien la faille d'Aiguillon, ou bien encore la faille qui est parallèle à la faille d'Aiguillon mais qui est en mer, eh bien sur une de ces trois failles, et peut-être sur quelques failles plus cachées, eh bien on peut avoir un séisme modéré à fort, peut-être d'ici quelques années à quelques dizaines d'années. Le projet Corinthe consiste à installer un grand nombre de capteurs de toutes sortes, quadrillant les alentours d'Aiguillon, mais aussi et surtout à effectuer des forages très profonds, recoupant la faille à 1000 mètres, 5000 mètres, puis 10 000 mètres sous terre, afin d'aller y placer des instruments de plus en plus près de l'endroit où se génèrent les séismes. Le projet doit se dérouler sur plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous en sommes encore à la phase initiale. La première tâche des chercheurs fut de mettre en place un réseau très dense de capteurs de surface ou peu profondément enterrés, et ce, afin de pouvoir détecter et localiser les petits séismes locaux qui se produisent au rythme d'une dizaine par jour. 1, 2, 3. Voilà donc les trois pics, le 1, 2 et 3. Ces installations, souvent effectuées avec des moyens financiers réduits, ne furent pas toujours faciles. Nous, on passe 4 heures parce que on passe tous les fils. Et puis, je ne sais pas pourquoi, c'est des miracles de la topologie, il y a toujours des nœuds. Ben, je crois que j'aurais plus vite fait en recommençant tout. Hein. Ensuite, ils entreprirent de réaliser le premier grand forage de 1000 mètres qui, une fois instrumenté, permettra de savoir si les petits séismes observés sont corrélés avec d'éventuels mouvements de fluide ou de roche qui pourraient les précéder. Une première difficulté se présentait aux scientifiques lors des repérages. Comment savoir exactement où forer pour recouper à coup sûr la faille entre 700 mètres et 1 km sous terre? Car si l'on sait où est la fleur en surface, sa pente n'est a priori pas connue. Alors, si elle part comme ça en profondeur, si nous on veut la taper à peu près à 1000 mètres, eh ben, il faut aller forer ici. Si par contre la faille elle part comme ça mais qu'elle continue comme ça, si on veut la forer à 1000 mètres, il faut aller forer ici. Pour taper ici. Donc là est toute la question et c'est ça ce que va nous dire la ligne sismique. Début 2001, une cartographie souterraine de la région d'Aiguillon fut effectuée au moyen d'une ligne sismique dont le principe est d'analyser les réflexions dans le sous-sol d'ondes provoquées par un camion vibreur. L'expérience, difficile à mettre en place en raison du temps et de la topographie locale, se déroula parfaitement. Mais n'eut pourtant pas les résultats escomptés, les terrains se révélant trop chaotiques pour ce genre d'analyse. Malheureusement, les résultats n'ont pas été très beaux. On ne voit pas le terrain et on voit mal la faille. Donc on était bien embêtés pour savoir où mettre notre forage. D'où un peu un pari
basé sur des considérations d'abord de mécanique et ensuite de géométrie. On s'est dit que la faille, l'angle ici devait être à peu près de 60 degrés. Certains disaient que c'était 40 degrés. Bon, moi je pensais que c'était plutôt 60. Alors normalement, on voulait nous être un petit peu plus au nord. D'après les estimations, on était là grâce au propriétaire et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé la faille exactement dans la fenêtre qui nous intéressait financièrement parlant. En 2002, le forage fut donc réalisé avec succès et apporta une première surprise aux chercheurs, de l'eau en jaillissait. Ça c'est le résultat un peu important de ce forage, c'est que dans les calcaires, bien qu'on soit en profondeur, on a des zones karstiques avec des gros débits d'eau. Dans les calcaires au-dessus de la faille, un petit peu d'eau, pression de 5 bars, ce qui n'est pas énorme, ça peut s'expliquer éventuellement par la colline qu'elle a, mais sous la faille, 10 bars, c'est déjà des pressions élevées. Cette eau qu'on voit ici, elle ne vient pas, elle n'est pas locale. Cette eau, elle s'est infiltrée de beaucoup plus loin, probablement du Péloponnèse, hein, à 7, 8, 10 km, je ne peux pas dire exactement. Et ce que ça nous démontre, c'est que la faille des Guions, et la faille déliquée derrière, sont des barrières hydrauliques. Elles canalisent le flux d'eau. Et comme on a le Péloponnèse à 2500 mètres derrière, c'est un très beau château d'eau, cette eau descend. Le forage fut terminé durant l'été 2002. Mais les instruments destinés à l'équiper n'étant pas encore prêts, il fut rempli d'une boue dont le poids, empêchant l'eau de jaillir, lui permit de rester en l'état pendant un an. Pendant ce temps, des canalisations furent construites, allant jusqu'à la mer, distante de 300 mètres, pour évacuer l'eau qui recommencera à jaillir lorsque l'équipement du forage sera entrepris. En septembre 2003, les instruments sont enfin arrivés sur le site. Depuis quelques jours, une nouvelle équipe de foreurs a été engagée. Sa tâche est de débarrasser le forage de tous les bouchons de débris de roche, appelés aussi « cuttings », qui ont pu se former, puis d'évacuer la boue. Ensuite, l'expérience pourra commencer. Tout d'abord, il s'agira d'effectuer une série de mesures de contrainte de la roche entourant la faille afin de savoir comment celle-ci est susceptible de se fracturer en cas de séisme. La sonde qui nous permet de faire ces mesures de contrainte, qui pour le moment est encore sur sa remorque là, donc ça c'est un matériel qu'on a mis au point et donc on veut mieux comprendre comment la faille glisse et comment varient ces contraintes éventuellement et surtout les mouvements en fonction de la pression. Comme je vous ai expliqué, il y a cette eau qui circule qui fait varier la pression interstitielle. Donc si on connaît les contraintes et si on connaît la pression, on comprend comment bouge la faille. Et c'est ça vraiment les objectifs de mesure actuellement. Ensuite, les instruments de mesure permanents seront descendus. Ces instruments qui équiperont le forage de manière permanente se répartissent en 5 éléments distincts très espacés et reliés les uns aux autres, puis à la surface par des tiges métalliques. Tout au fond, à 980 mètres, le premier élément comporte un sismomètre et un accéléromètre qui permettent de détecter le moindre frémissement de la roche. À 850 mètres, le deuxième élément comporte des capteurs de pression, de température et de résistivité électrique pour analyser l'eau et ses mouvements. À 750 mètres, le troisième élément comprend les mêmes capteurs et juste au-dessus un paquer, c'est-à-dire une poche en caoutchouc qui se gonfle d'eau à très haute pression et bouche hermétiquement le forage, empêchant le fluide de circuler. À 705 mètres, le quatrième élément est toujours équipé avec des capteurs pour analyser l'eau, avec au-dessus de nouveau un paquer qui bouchera le forage à la base du casing, c'est-à-dire le tubage métallique qui protège le forage depuis cette profondeur jusqu'à la surface. Ainsi, aucune eau ne jaillira plus. Avec ce paquer, il y a aussi un hydrophone qui enregistre tous les mouvements rocheux transmis par l'eau. Enfin, à 500 mètres, le dernier élément, un deuxième hydrophone. Cela permet d'avoir 3 capteurs de mouvement placés à 3 hauteurs différentes qui permettront par triangulation de déterminer l'origine du plus petit craquement, même ceux des fréquences élevées, non détectables par les sismomètres classiques. Oui, donc maintenant on arrive un peu à un tournant du projet. Les choses sont à peu près en place. Pas tout à fait, et c'est bien ça le fond du problème. Ça c'est la fin, la mise en place du matériel. Et une fois que ce matériel sera en place, il faut évidemment qu'il tourne pendant suffisamment longtemps. C'est quand même des investissements très importants. Il faut qu'on démontre que le jour valait la chandelle. Je ne partirai pas d'ici tant que le matériel ne sera pas en train de fonctionner. Il y a toujours des petits problèmes. Si cette manip-là s'arrêtait, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à convaincre nos agences de financement qu'il faut continuer à prendre de l'amplitude. Non, je pense qu'on a quand même dépensé de l'ordre de 6 millions d'euros, ce qui est quand même pas tout petit. Si on n'est pas capable d'avoir des données, eh bien le projet s'arrêtera. L'instrumentation à venir est donc vitale pour le projet. Mais elle ne pourra être mise en place que lorsque le forage sera parfaitement nettoyé. C'est ce qu'attendent les scientifiques depuis plusieurs jours.
je voudrais mettre la production d'eau ce soir. Il y a des chances qu'on on finisse ici. Enfin, si ça dure trop longtemps, moi je resterai. Mais enfin, je pense qu'il y en a vers 9h, 9h15 ici, à mon avis. Le forage étant enfin propre, le travail se poursuit dans la soirée pour diluer la boue et l'évacuer. La partie libre du puits est uniquement occupée par de la boue. Et maintenant, on circule la boue et on ajoute de l'eau pour diminuer la densité, pour que progressivement la pression d'eau qui agit dans les fractures au fond produise naturellement. Quand la densité de boue aura suffisamment diminué, on aura une production naturelle qu'on ne pourra plus arrêter. Normalement, lorsque la boue ne fera plus que 1,08 de densité, il ne sera plus nécessaire de la pomper. La pression de l'eau la chassera toute seule. Mais cela n'a pas l'air d'être le cas et l'attente va se prolonger. Ok. On va aller dîner. On reviendra après dîner. Pour voir, en espérant que ça marchera mieux. Faut que vous rentriez dans le tuyau. Non, vous y êtes pas. Vous voyez bien qu'il devrait rentrer beaucoup mieux. En tout cas, c'est que c'est raide, hein. C'est ça toute l'histoire. Non, allez-y, il doit aller tout au fond. L'imprévu a frappé les scientifiques de plein fouet. Le forage est effectivement remis en eau, mais celle-ci, tandis que les ouvriers sont allés dormir, au lieu d'être évacuée par les canalisations vers la mer, déborde et commence à tout inonder. Le nôtre devrait évacuer plus. Le nôtre n'évacue pas là-bas, c'est ça le problème. I think our pipe is plugged. This is the problem. This is what the problem is. Because that should go down there. There's no problem. How can we clean it? Et vous essayez de faire entrer dans le trou, là, comme j'avais fait. Apparemment, c'est la première canalisation longue de quelques dizaines de mètres qui relie le puits de forage à un réservoir secondaire qui a été bouché par les travaux de nettoyage. Avec une machine de forage bien adaptée, le problème serait mineur. En effet, un système d'étanchéification efficace aurait été installé. Mais l'équipe scientifique a dû compter au plus juste. Ah oui, là j'y suis, là. Voilà, moi je suis rentré. Mais même la canalisation en partie débouchée, l'inondation ne faiblit pas. Là, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Là, on a un problème. Le tuyau est trop petit. Le gars, je vais parler de 50 mètres cubeurs, il a dû faire une faute dans le diamètre du tube d'évacuation, qui est trop petit. Et en plus, maintenant, on dépose des cuttings. Mais là, il y a un gros débit, hein. À mon avis, il y a plus que 50 mètres cubeurs. Ayant passé et repassé toutes les solutions possibles dans sa tête, y compris d'appeler les pompiers, François Cornet décide de laisser les choses en l'état. La mer est proche, ils sont dans une friche industrielle, l'inondation n'aura pas de conséquences catastrophiques. Ah, ça coule bien là, hein. Tout à l'heure, on n'arrivait pas à dégager l'eau, mais là, on a bien réussi à la dégager, là. Et le débit est supérieur à celui qu'on avait mesuré à la fin des essais l'année dernière. Donc, y a un problème, un vrai. Bon, on va aller se coucher. Demain, on trouvera une solution pour le gros débit. Bon. Ça y est, vous avez toutes vos affaires ? Moi, j'en ai un peu dans votre voiture. On ferme. Dans celle de Gilles, donc. Allez, bonsoir. De bon matin, les ouvriers ont complètement nettoyé la petite canalisation que l'on croyait bouchée. Pourtant, l'inondation persiste. Le problème est donc ailleurs. Non, le problème, c'est le fait qu'on a sous-estimé le débit qui sort de ce puits, alors qu'on a mesuré quand même pendant 3 jours l'année dernière. Et la question est pourquoi on a une telle différence de débit. Je pense que l'année dernière, quand on a fait les mesures, il s'est passé exactement ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire que le train de tige était dans le forage, et s'était créé une sorte de bouchon à cause des cuttings qui empêchait le débit de sortir.
Et les foreurs l'année dernière ont fait tourner leur train de tige pendant les mesures. On a eu un débit qui s'est stationné, qui s'est stabilisé à 50 mètres cubeurs, ce qu'on a mesuré. Donc on était dimensionné pour 50 mètres cubeurs. En fait, il fallait dimensionner pour 100 mètres cubeurs. Il est donc certain que lorsque le forage sera libre pour procéder aux expériences scientifiques, l'inondation prendra des proportions beaucoup plus importantes. On ne coupera pas à mettre une pompe ici. On ne peut pas vivre sans un système d'évacuation de l'eau. Oui, oui. La question c'est, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on attend? Là, moi, je n'ai pas les crédits. C'est un peu ça la question. Je pourrais appeler l'UDEM, mais enfin... À court de crédit, François Cornet décide de ne pas acheter de pompe supplémentaire pour évacuer l'eau. Il fait le pari que l'installation des instruments de mesure sera menée assez rapidement pour que l'inondation reste bénigne. Il serait d'ailleurs prêt à commencer immédiatement. Mais il faut d'abord que les ouvriers retirent le train de tige du forage. Et là, il va falloir être patient. Je pense qu'ils n'ont pas envie de le faire aujourd'hui. Ils ont travaillé longtemps hier et je pense que c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est quartier libre. Ouais, il ne faut pas trop pousser. Non, il m'a dit qu'ils avaient déjà bu un peu de bière et qu'ils pensaient que ce n'était pas très sûr de les faire travailler. Ce que je partage comme avis. Bon. Voilà, donc pour aujourd'hui, repos, malheureusement, repos forcé. Les ouvriers, arrivés tôt le matin, vont passer la plus grande partie de la journée à retirer le train de tige. Le débit de l'eau s'est considérablement amplifié. On va se faire bénir dans la région. On a arrêté les fontaines romaines. C'est connu le putain des Romains, nous, t'as vu, en trois jours, terminé, hein, on a réglé le problème. Et si vous continuez comme ça, il n'y aura plus d'eau dans les lions. Cet après-midi, les scientifiques, ne pouvant travailler sur le forage, s'accordent une pause. Frédéric Fonbonne décide de profiter de l'arrière-saison grecque. Il prépare une thèse de mécanique des roches orientée sur l'étude des contraintes agissant dans les massifs rocheux. Pour lui, les mesures de contraintes qui seront réalisées lorsque le forage sera libre sont essentielles. Normalement, les foreurs doivent nous aider, donc ça va être un peu plus facile, quoi, parce qu'il faut un peu des gros bras et puis il faut être nombreux. Quoi. Ça va bien se passer. Je suis confiant. Quant à Méline Dohan, l'autre doctorante, elle travaille sur l'étude des couplages entre les circulations de fluides profonds et le comportement mécanique des failles. Elle est donc plus intéressée par les mesures que donneront les capteurs permanents. Les ouvriers ont fini de retirer les tiges de forage. Tout est prêt pour que débutent les mesures de contrainte. Bernard Baird et Frédéric Fonbonne se préparent pour planifier parfaitement l'introduction dans le forage de l'instrument de mesure qui pèse plus de 400 kg, ce qui promet certaines difficultés. En quoi consistent ces mesures de contrainte? L'instrument, composé de trois parties assemblées, est descendu par un câble. Les deux parties extrêmes sont des paquères. Une fois en position, ils sont gonflés et bouchent hermétiquement le forage, isolant la partie du milieu de toute circulation de fluide. Un courant électrique est envoyé le long du câble. Ne pouvant passer dans les 20 derniers mètres qui sont isolés électriquement, il se répand dans la roche et est capté dans la partie centrale par 160 électrodes. Les intensités de ces signaux électriques, transmis et analysés en surface, permettent de cartographier la roche et en particulier de déterminer la géométrie des fractures. Ensuite, de l'eau à très haute pression est injectée dans la zone de forage, isolée par les paquères. À un certain moment, la pression sera suffisamment forte pour fracturer la roche ou ouvrir des fractures déjà existantes, ce que l'on verra grâce aux mesures électriques. Ainsi, l'on peut déterminer comment est susceptible de se comporter cette roche lors de séismes. Lorsque les mesures sont terminées, on dégonfle les paquères, on positionne l'instrument à un autre endroit et on recommence, jusqu'à avoir parcouru toute la partie basse du forage où la roche est nue. À la nuit tombante, l'installation commence. On va se mettre sur la remorque. Il y en a un qui va sur la remorque. Frédéric, vous mettez sur la remorque. Comme ça, vous allez vous empêcher qu'elle tombe.
c'est bon, là, filmez comme moi. Stop. Il va s'agir de monter sur la plateforme les trois parties de l'instrument qui pèsent chacune plus de 100 kg, puis de les introduire une à une dans le forage en lui raccordant au fur et à mesure. Là par terre, vous la posez là de bien. Les scientifiques doivent travailler le plus vite possible, pressés par l'inondation. Au moment de raccorder les deux premiers éléments et de connecter l'électronique, il faut agir avec la plus grande minutie, car la moindre erreur sera irréparable une fois l'instrument dans le forage. L'eau rend cette opération extrêmement stressante, car la moindre goutte sur un connecteur pourrait causer un court-circuit et compromettre toutes les mesures. Tandis que Bernard Baird et Frédéric Fonbonne mettent en place le dernier élément de l'instrument, les voisins les plus proches sont venus se plaindre de l'inondation qui envahit leur verger. François Cornet parvient à les rassurer. Ok, thank you very much. Tu connais le morceau de musique, l'apprenti sorcier? Non. C'est l'histoire, enfin, c'est un morceau de musique classique, c'est ouais, intéressant. Tout à fait, oui. Alors, c'est un sorcier qui sait contrôler, qui a un balai et qui fait des inondations, mais il le contrôle. Il y a l'apprenti qui connaît les paroles magiques, mais qui sait le démarrer, mais pas l'arrêter. Alors il inonde tout le monde, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on fait. L'instrument est prêt à entamer sa descente dans le forage. Mais avant de commencer l'opération, à minuit passé, après plus de 5 heures de travail ininterrompu, un arrêt kebab s'impose. Ce n'est que pause, c'est la pause. La pause pita. Encore du sport, de toute façon, il y a encore 2 ou 3 heures de travail. Mais je suis pas sûr que la sonde descende. Elle n'est pas lourde, hein, 80 kilos. Pas beaucoup, hein. Vers 1h du matin, le travail reprend. Si on a l'impression que c'est un travail difficile, je refais demain matin et si on voit que ça descend sans problème, on descend. Mais c'est pas la peine de faire des efforts inutiles, il faut garder notre force pour peut-être pour demain, on va voir. Allez, hop. On met juste on descend. Des attaches au câble, hein. Oui. On y va ? Allez, en route ! Elle ne descend pas, la sonde ! Elle ne descend pas ! Elle est coincée ! Je remonte ! Hop ! Hop, 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 hop ! Stop ! Stop ! Vous redescendez ou vous voulez que je... Je redescends ! Ça me sert, il est pas loin, le pied de câble, hein ? Il est là, hein ? Vous me direz, vous hein ? Ou pas ? On va vérifier si elle est là. Ah, oui, c'est ça. Là, oui. On prend le zéro et on lance le programme. Et puis on s'arrête. C'est bon. On est 19, c'est demain ou... Non, c'est
C'est minuit passé. Donc c'est demain, c'est aujourd'hui 19. Aujourd'hui 19. Et tu fais ta 83. C'est le bug de l'an 2000. Time. Voilà. Et time. 00. 22. 2.22. 2.00. Voilà, c'est bon. Bernard, 776. Bon, on passe à demain. Elle marche, la sonde. Allez, okay. C'est bon. Dans on la là, coupe. Bon, non, mais c'est bon. Voilà, on la coupe, on la coupe. Tant que la température ne monte pas trop, c'est bon. Oui, voilà. Ça, on a caché l'arbre. Oui, non, mais là, elle marche, c'est bon. Il y a combien, la Maïline, au poids? Combien? 90. On a 90 kilos. Alors que la sonde fait 380. Donc le problème, c'est quand on va être en trou un peu plus petit, je ne sais pas ce que va descendre. Enfin, on verra ça. Hein. Donc on va dire 90 kg, c'est quand même encore un peu lourd. Hein. Le débit d'eau produit par le forage va en augmentant. Maintenant, l'eau montante exerce une telle force sur l'appareil qu'au lieu de peser 400 kg, son poids apparent n'est plus que de 90 kg. Pèsera-t-il assez lourd pour descendre lorsqu'il s'engagera hors du casing dans la partie plus étroite du forage où l'eau pouvant moins passer sur les côtés poussera encore plus fort? C'est à présent le nouveau problème auquel sont confrontés les chercheurs qui remettent en cause le succès même de la mission. Mais à plus de 2h du matin, épuisé par 8h de travail physique quasi ininterrompu, il décide de laisser l'appareil juste à quelques dizaines de mètres sous terre et de gonfler les paquères pour stopper l'inondation. C'est fini, je s'embarre. Le calme après la tempête, là, on peut vous le dire. Ben évidemment, ben dites. Vous avez gonflé, ben évidemment, j'ai mis 100 bars. Avec 50 bars, là, on rigole plus. Non, avant. Ah, il y a encore. Quel plaisir. Ah, il y a encore. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a plus rien du tout. La lumière. Il n'y a plus rien du tout. Ça se voit bien. Ben ça se vide. Ben c'est qu'il y a des cailloux entre mes paquets et le... Qu'est-ce qui se passe là? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? On aurait dû tout arrêter. C'est bizarre, hein? Ça me choque. Le paquet, à l'habitude, il... Non, puis là, il y a 100 bars. Donc le paquet, il est bon, hein? Pourquoi de l'eau s'écoule-t-elle encore, alors que les paquets bouchent hermétiquement le forage? La situation n'est pas grave puisque le faible débit restant est évacué par les canalisations. Mais pour François Cornet, ce genre de questions sans réponse n'est pas compatible avec une science bien faite. Et c'est l'esprit préoccupé qu'il va aborder sa nuit de sommeil. Allez, on rentre. En regagnant la route, l'équipe peut mesurer l'ampleur de l'inondation, sans commune mesure avec la veille. Il ne reste plus qu'à espérer que personne n'aura à déplorer de dégâts importants. À 8h30 du matin, François Cornet retourne sur le chantier après une très courte nuit de sommeil. Il commence par aller se rendre compte des dégâts causés par l'inondation. Là, il y en a pour un moment, hein. Oh, un moment, il n'y en a pas pour très longtemps. Il regrette vivement l'absence du matériel de forage approprié dont il disposait l'année précédente. Heureusement, les dommages restent mineurs, mais il n'est plus question de laisser l'eau à nouveau déborder. Un bulldozer a été commandé pour creuser un gigantesque réservoir. Tout en réglant la question de l'inondation, François Cornet ne peut s'empêcher de ruminer le problème qui l'obsède depuis la veille. Pourquoi l'eau coule-t-elle encore malgré le paquet qui bouche le forage? So if I take my tool down to 200 meters, then it's going to plug it completely. Exactly. Les travaux de maçonnerie et de terrassement pour résorber l'inondation prennent toute la journée. À 19 h, le réservoir est terminé et la tranchée n'a plus besoin que d'une dernière finition. Il est temps de vérifier l'efficacité des travaux en faisant couler à nouveau l'eau. François Cornet va donc dégonfler le paquet. Mais il n'y a plus de pression dans les paquets. C'est tout ouvert. Ça sort pas là. Je voudrais qu'on ouvre, qu'on défasse le tuyau orange. Et ça coule pas. Donc c'est à se demander si le tuyau est bouché.
S'il était crevé, je veux bien qu'il soit crevé, mais à ce moment-là, ça devrait fuir. Donc s'il est gonflé, il y a de la pression dedans, et pourquoi ne se dégonfle-t-il pas? Et s'il n'y a pas de pression dedans, pourquoi ça ne coule pas dans le tuyau? Voilà. Voilà. Une nouvelle fois, l'adversité s'acharne contre les scientifiques. Plus rien ne marche. Et le tuyau, il a fait un nœud, et ça ne sort plus. Il y a un nœud dans le forage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un flux important. Quand on a gonflé les paquets, il y avait 10 barres qui s'exerçaient dessous, suffisamment pour chasser la sonde vers le haut. La pression d'eau a fait chasser la sonde, et ce qui a fait un nœud demi-flexible autour de la sonde, et quand on les a gonflés, on les a écrasés. Alors, au début, on pompait, donc ils avaient leur chemin, et puis maintenant, ils se vident pas parce qu'ils sont écrasés par les paquets. Et comment je vais faire pour dégonfler mes paquets? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la traction sur le câble, je vais essayer de sortir mes flexibles derrière les paquets, je vais tirer un peu fort pour que ça se dégonfle. Attention, ça va pas tarder! Ça y est? Ça coule? Ça coule? Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Elle s'est recoincée. On voit les flexibles orange là? Oui, les flexibles orange. Oui, mais c'est ça, hein? Elles sont au coince. Parce qu'elle est chassée par le flux d'eau. Et donc, il se dégonfle pas, le paquet. Là, je tire à 900 kilos. Parce qu'on en est reparti dans les grandes eaux pour un moment, là, maintenant. Hein. Parce que maintenant, je peux plus gonfler, normalement. Hein. Comme j'ai un coude, il faut que je sorte. Hein. Faut sortir et redescendre. Dans l'immédiat, il n'est plus question d'effectuer des mesures, mais de parer au plus pressé et de débloquer l'instrument. Bon, la question, elle est la suivante, est-ce qu'on sort la sonde ou pas? Est-ce qu'on se contente d'une fuite comme ça toute la nuit ou pas? Moi, je préférais le laisser comme ça, et on se lève à 5 heures. À quelle heure se lève le jour? À 6 heures. Donc on se lève à 5 heures, on vient, et on commence la sortie, et ça va aller en s'améliorant. De toute façon, ce qu'il faut, c'est remettre la pression sur le paquet. C'est ça, hein? Ça y est, là, ça s'arrête? Ça remonte! Ça déborde? Ça redesse! Comment? Ça redesse! C'est moi qui ferme. Allez, moi je ferme derrière. Voilà. Allez, stop! Allez! Et voilà, on gonfle là. Parce que la pression chute. C'est ce que je voyais hier que je ne comprenais absolument pas. Je me disais, mais enfin, le paquet. Hein? Ah merde. Ah ben oui, c'est parce qu'on voit chuter la pression. Ben quand c'est à 140, le machin, il se remet à fuir, tu comprends? Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout 140. Les 140, ils sont dans notre ligne. Et dans le paquet, il y a je ne sais pas quoi. Alors ça passe au goutte à goutte. Ça passe au goutte à goutte, mais c'est au goutte à goutte. Le risque de commettre des erreurs dans l'obscurité étant trop grand, les scientifiques décident de s'arrêter pour aujourd'hui. Et voilà. Ça, c'est la première fois que je vois 500 kilos se déplacer tout seul vers le haut, sans que je passe rien. D'habitude, faut que je tire un peu fort. Ben non, là, il fait 500 kilos comme ça. C'est vrai que le flux est important. Hein. C'est bizarre, sur toute façon. C'est vrai, c'est bête, mais on pense tout. Comment? À votre santé, il faut... Tiens. Quand on trinque, il faut trinquer. On trinque au fait qu'on n'a pas encore perdu notre sonde. Et qu'on a eu beaucoup de nouvelles expériences qu'il faut assimiler. À mon avis, effectivement, c'est qu'on reprend les mesures parce qu'on est trop tangent. On prend des gros risques en faisant ces mesures. L'objectif majeur, c'est d'installer le matériel qu'on a construit depuis 3 ans, là, maintenant. Et mettre ça en risque, c'est pas raisonnable. Les mesures de contrainte sont importantes, mais c'est moins important que le matériel qu'on va installer. Si on ne met pas nos mesures de contrainte, le programme continuera. Si on n'installe pas le matériel, je pense que le programme aura du mal à continuer.
Et donc là, il y a quand même, c'est un gros enjeu là quand même. Bah, tant que je suis triste, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas quoi. C'est sympa, c'est sympa. Trois mois plus tard, nous retrouvons les scientifiques à l'Institut de la physique du globe à Paris, en compagnie d'un autre responsable du projet, le sismologue Pascal Bernard. Il visionne les images de la fin de la mission tournée par la doctorante Méline Dohan. Là, on est calme. D'ailleurs, on voit qu'on est décontracté. On avait réussi à calmer les flux. Là, on avait réussi à calmer les flux. Et donc, moi, je respirais enfin parce qu'on avait plus les inondations des voisins, parce qu'il y a quand même l'usine avec d'ameublement, là. Voilà, là, on était méfiants parce qu'on se demandait si elle n'allait pas nous sauter au visage. Ah, t'as vu, elle est bien sortie. Ouais. Voilà, ça, c'est la pression qui l'a chassée. Et puis maintenant, bah, évidemment, ça raccroche. Ça, c'est la chose de mesure de contrainte. Hein. Voilà, tu vois, il y a quand même pas mal de débit. Et toi, elle est rouge, là, hein, l'eau. Donc, il y a pas mal d'argile dedans, déjà. Hein. Je pense que c'est de des radiolarites, en fait. Hein. La question de savoir. Mais c'est de la gousse de paille, à mon avis. La sombre tombe. Et puis. Voilà, on démonte. Là, tu vois qu'on peut pas faire les mesures de contrainte, visiblement. Les tuyaux sont complètement abîmés. Et on voit bien, de toute façon, que, bon, déjà le matin, elle était abîmée, mais surtout, à cause des pierres qui sortaient, moi, je craignais beaucoup de perdre la sonde. Si on avait coincé la sonde à 700 mètres, oui. Voilà. On est en train de la... Ah, c'est violent. De la ouais. Ayant renoncé à effectuer les mesures de contrainte, les chercheurs laissent le dernier paquet de l'instrument gonfler au sommet du forage pour maîtriser l'inondation, tandis qu'ils installent l'équipement nécessaire pour descendre les capteurs de mesures permanents. Là, on est encore en train de manipuler, donc on est en train de mettre la vanne, toujours qui permettra de reprendre le contrôle du trou, parce que pendant on a le contrôle, on est contracté, mais c'est grâce à la sonde de mesure de contrainte qui sert de bouchon, ce qui est quand même pas prévu pour. Voilà, on met en place la plateforme. C'est pas très facile, hein, ça pèse quand même 6 tonnes. Donc tu travailles au millimètre. C'est bizarre, oui. Ah, oui. J'ai pas vu les grues quand j'y étais. Ah, oui, j'imaginais oui. pas que c'était comme ça. Oui, oui, oui. C'est ma sonde qui ressort. Oui. C'est ma sonde qui ressort, on va le tester pour pas faire abîmer. Tout étant en place, les chercheurs dégonflent le paquet pour l'enlever et libérer le forage. Attends, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Pourquoi on arrive à la bouger? Ah non, c'est, oui, on essaie de la... On est en train de la dégonfler, là. C'est elle qui est sortie de seule. Tu vois? Oui. Là, maintenant, on est en train de la sortir. Elle est attachée. Et la pression fait sauter, tu vois. Et notre ami Frédéric, qui est secoué. C'est impressionnant, ça quand même. Ça fait combien de temps, comment ça? 6 tonnes. Oula. 6 tonnes, tu la vois? C'est délirant. Bah oui, il y a une chaîne qui a cassé, et il y a l'autre qui l'a tenue. Et maintenant, ça l'a tordue. Maintenant, il faut que je la répare. Et maintenant, l'eau sort. Oui, ça fait 2 tonnes, ça fait que 2 tonnes, ça n'aurait pas dû lever, mais elle fait 6 tonnes la plateforme. Et donc il y a un effet de levier qui s'est passé. C'est heureusement que tu n'as pas fait un levier comme 6 tonnes, ça aurait pu l'affecter de l'allumette en fait. Bah oui, ok. Il y a un souffle, c'est moi qui ai fait. Et tu vois le début qui sort. Fallait voir les manies, ce qui coûte les manies. Non, c'est le début qui sort du. Oui, partout tordu, c'est une grosse manie. Mais qui fait qu'il est plus gros que mon doigt. C'est dangereux, ça fait un. Non. Comment pas de, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ben là, il faut la sortir. Non, on enlève le pressif pour qu'il finisse de se dégonfler. Là, elle est saisie en haut. Elle peut pas tomber dans le forage. Ouais, elle est tenue, mais quand même. Et donc maintenant, il va falloir qu'on enlève. Et là, maintenant, on a un arc qui est tendu. Ben justement, c'est pas évident. Mais c'est pas évident du tout. On avait la chaîne. C'est comme un arc tendu. Alors en fait, on l'a coupé au chalumeau. Oui. On l'a tenue, on l'a saisie par la grue, et puis là, voilà, on l'enlève, et elle est tordue, là, maintenant. Et tu vois, là, tu vois qu'elle est inutilisable, quoi, je veux dire. L'installation des capteurs permanents commence. On introduit d'abord l'élément comportant les sismomètres. C'est le sismo, qui, lui, est plus petit, j'espère qu'il passerait, mais il est beaucoup plus léger. Et donc là, je mets en place le sismo, qui descend, parce que, pour le moment... C'est dans la partie large. C'est la partie large du tube. Et puis, on va mettre dessus la tige. Et là, tu vois qu'il va ressortir parce qu'en fait, il n'est pas descendu. Maggie n'a pas filmé la partie haute, mais il flottait. Il y a 150 kilos qui flottent. Le frottement de l'eau sur le système est suffisant pour l'empêcher de descendre. Sinon, il devait descendre de fond à 1000 mètres. Oui, normalement, oui. Alors, j'avais hésité à le charger. C'est moi, ce que tu vois pas là, c'est qu'il sort des morceaux de pierre gros comme ça. Ah oui, on ne s'en rend pas compte. Non, là, tu ne les vois pas parce qu'il y a pas mal de petits. Ah ben oui, t'inquiète, excuse-moi.
Elle était très... D'accord, oui, tu comprends pourquoi elle est très fière. Non, on essaye de fermer, ça c'est après. Donc, puisqu'on n'a pas pu descendre le sismo, bien, on ne peut pas abandonner le trou comme ça. Je voulais quand même reprendre contrôle du site, parce qu'en fait, notre système que tu vois fuir ne plaisait pas, parce qu'il fuyait, néanmoins. Ça avait été bricolé par les sondeurs, et donc j'avais une soudure qui n'était pas propre. Et je savais que si je le laissais pendant 6 mois, ça allait casser. Donc je voulais reprendre contrôle du trou, et donc j'ai pensé à mettre mon capteur, mon packer. Oui. Et comme dessus il y a le capteur de pression, en fait c'est par sécurité que j'ai installé le packer de pression. Le packer de... Mais en même temps, comme il était équipé, eh bien, ça fait une mesure en plus. Ça fait une mesure qui maintenant marche. Ouais. C'est ce qui a sauvé la manip en fait. Hein. Donc là, tu vois, on est en train de mettre en place. Je gonfle mon paquet. Moi, je suis obnubilé sur mes débits. Donc je c'est l'eau qui soulève le camion. Voilà. C'est la pression d'eau, le paquet gonfle. La pression s'exerce. Enfin, on applique 3 tonnes sur le paquet et qui met donc, qui déséquilibre le mât et le mât arrive à soulever la sondeuse. C'est impressionnant. Il y a quand même un gros débit, tu vois. Voilà. Donc on va y retourner. Oui, donc moi je pense que c'est mon problème de carte qui est quand même le problème majeur qu'on doit comprendre. La présence de cette eau là, qui à mon avis est active quoi. Bon, on va regarder ça. Oui, là maintenant on voit les résultats qui sortent de ce capteur de pression. Parce que tu vois là maintenant. Ça c'est dans le forage. Et donc, on regarde la pression dans le forage, mais comme le forage est tubé jusqu'à 700 mètres, on regarde la pression à 700 mètres de profondeur. Hein. Le paquer qui bouche maintenant le forage était fort heureusement solidaire d'un capteur de mesure dynamique de pression qui fonctionne maintenant depuis plus d'un mois. C'est ce qui fait la réussite de la mission. L'eau dans laquelle baigne le capteur est isolée sur 700 mètres de profondeur grâce au casing qui la protège des perturbations extérieures. L'instrument enregistre donc les plus petites variations de pression au voisinage de la faille. Celles-ci peuvent être dues à l'écho d'un séisme lointain et le capteur corrobore alors les données de surface des instruments de Pascal Bernard. Mais surtout, ces variations de pression d'eau pourraient être dues à l'ouverture ou au rétrécissement des fractures dans lesquelles se trouve cette eau liée aux contraintes que subit la roche avant, pendant et après un séisme. Le capteur devrait détecter si les séismes observés sur la faille, à 4 ou 5 km de profondeur, ont induit des mouvements de fluide perceptibles. Ce dispositif permettant d'obtenir simultanément des données en surface et en profondeur est quasi unique au monde, et non seulement sauve cette mission qui a frôlé la catastrophe, mais en fait aussi un véritable succès. Et ton paquet, il tient, il ne fuit pas Alors ça fait partie des émotions. On l'a mis en pression, j'ai mis donc une bouteille d'azote pour tenir la pression, on a vu fuiter la pression progressivement, alors tous les jours on regardait, est-ce qu'il tient, et puis maintenant ça fait 2 mois, il est à, je n'avais pas la nouvelle là, depuis 15 jours, mais on est à 45 bars, comme il y a une pression de 10 bars derrière, c'est tranquille. Hein. D'accord, il ne pas sauter comme un bouchon de champagne. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y a un gamin qui vient de s'amuser à ouvrir un robinet, ou je ne sais pas quoi, pour voir ce que ça fait, et à ce moment-là, il déclenche tout. Donc c'est encore, alors j'ai mis des grillages et j'ai tout protégé, mais je ne voudrais pas que quelqu'un s'amuse pour voir ce que ça fait si on ouvre le robinet. donc j'ai quand même hâte d'aller remettre tout ça de façon beaucoup plus stable, c'est-à-dire aller remettre de la boue, stabiliser avec une boue dense, comme la boue qu'on a vue d'ailleurs au début du film, hein. Et stabiliser ça. À ce moment-là, on mettra tout le matériel en place. Dans la boue. Et puis là, il y a une petite astuce à trouver, c'est qu'il faut que je déplace la boue pour remettre en eau. Et donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais injecter de l'air comprimé, qui va alléger la colonne de boue. Ouais. Ça va faire remonter doucement et l'eau va chasser. Ça, c'est la recherche. Hein. Je veux dire que si on s'était planté là, on aurait trouvé une solution, le rebond aurait été plus lent, mais on aurait rebondi. Le problème, ça aurait peut-être coûté plus cher. Surtout, ce qui aurait été très dur, c'est qu'on n'aurait pas de données à montrer à nos financiers. Et donc là, pour se relever, ça aurait été très dur. S'il n'y avait pas eu ces enregistrements, je pense que j'aurais eu du mal à trouver des sous pour continuer. On aurait été moins convaincants. Ouais. On aurait été moins convaincants. On nous aurait dit, écoutez, apprenez donc à travailler avant de vous amuser à produire des geysers chez des voisins grecs. Mais là, les données sont là. Et ça, pour moi, ça sauve tout. À présent, en attendant l'automne 2004, où ils pourront rééquiper correctement le forage, les chercheurs sont à l'écoute des petits séismes qui se déclenchent régulièrement sur cette faille.
Leurs données permettront peut-être de détecter d'éventuels mouvements d'eau précédant les tremblements de terre.